Enchaîner un troisième victoire pour le championnat et confirmer les derniers deux matchs, confirmer les dernières deux prestations sur le match, la consistance sur le match, c'est important. Et je vais rappeler une chose, que c'est une équipe qui va jouer ici, c'est Orléans. Orléans a fait peut-être un des meilleurs cycles positifs de la Ligue 2. 6 matchs, plus matchs de Coupe de la Ligue, qui a éliminé Reims. Sont 7 victoires consécutives. Il va arriver avec le même joueur, avec le même entraîneur. Oui, c'est vrai qu'il vient d'un cycle moins positif, mais l'équipe là a fait un des meilleurs cycles de la Ligue 2 cette année. C'est un match dangereux contre une équipe, une bonne équipe, une équipe bien organisée qui vient ici avec une idée, c'est clair, revenir sur un nouveau cycle. Nous, comme nous avons fait sur le dernier match, c'est très bien, très déterminé pour gagner le match. C'est vraiment important parce que c'est le prochain tout le temps, mais aussi parce que vraiment peut toucher autre chose. Troisième victoire, on n'a pas enchaîné cette saison à domicile. C'est important pour notre supporter aussi. Je rappelle vous aussi que c'est pas longtemps, je n'ai pas parlé de longtemps, sur un an et demi, sans prendre les dernières saisons et 6 saisons, on parle de 3 victoires consécutives à domicile. Ça, c'est dur pour les supporters. Avoir un an et demi civil sans victoire consécutive. Ça, c'est important. Faire ça et terminer. Le cycle de matchs que nous avons parlé, de 5 matchs, nous avons joué le troisième, enchaîné encore les 3 points, et faire 9 et 15 possible, c'est vraiment important.